Europa Latina, magazine cultural latinoamericano. En su segmento Latinos en el Mundo, presenta. On vit dans une société morcelée, consumériste, où tout peut être interchangeable, où les choses se jettent, où il y a une perte de sens, de rituel, d'équilibre. Et mes peintures voudraient être le reflet de cette société qui permettrait de recomposer du sens au travers de la relation que le spectateur, le public pourrait tisser avec ma peinture. Buenos días, me llamo Sebastián Leca, nací en Lima, Perú en 1972 y llegué en Francia cuando tenía 5 años. Dès le début, dans ma tendre enfance péruvienne, je voyais peindre mon grand-père, mon père, sous le soleil de Lima. Et la peinture m'a toujours accompagné de façon très familière. Quand je suis arrivé en France, j'ai continué à peindre de façon compulsive et petit à petit à élaborer un travail continu et qui aujourd'hui s'inscrit comme un travail au quotidien. J'emprunte au lexique habituel, j'emprunte aux images clichés, publicitaires, objets de notre société, objets urbains, personnages, portraits de gens qui existent. Et tout ceci devient comme les éléments de ma grammaire, comme autant d'éléments de mise en scène qui, juxtaposés, substitués, mis bout à bout, enlever, accrocher, décrocher, compose du sens, un rythme où chaque composition devient partielle et provisoire, un instant T d'un moment qui permet d'envisager la peinture comme une peinture comportementale. Alors le portrait, c'est à la fois le regard que je porte sur la personne, mon désir que j'ai pour elle, la lumière, l'énergie que me donne la personne quand elle pose, et puis c'est en même temps le moment T d'une rencontre, quelque chose qui à mon sens conserve aussi le mystère que peut avoir un moment de rencontre entre deux personnes. Je termine en général le portrait seul sur la base du souvenir que j'ai de cette rencontre. Donc c'est vrai que j'investis allègrement ma part de créativité pour ne pas coller à ce qui pourrait être un portrait ressemblant, mais pour quelque part redonner une vie à ce personnage que je mets sur toile. Alors on vit dans une société où les objets parfois déterminent les rapports des humains, et où l'objet est parfois roi, donc une société consumériste, faite d'un amour parfois fétichiste pour nos baskets, pour nos téléphones portables, pour nos véhicules, pour tous ces objets donc qui sont dans toutes ces vitrines de magasins. Et mon propos tend à faire justement, à donner ce reflet de notre société ultra consumériste en produisant des représentations d'objets et en soutenant d'images clichés qu'on peut retrouver dans la publicité, qu'on peut retrouver dans les vitrines des magasins où tous ces objets sont mis sur le piédestal et en haut des valeurs sociales. Voilà, donc c'est un jeu modulaire et interactif qui me permet d'explorer notre modernité en laissant toute sa place à la poésie des couleurs, à la dimension ludique, à l'esprit d'enfance, qui est à mon sens le fondement même de la créativité que l'on partage tous en commun.